Juste parler dans Source Giro, comment s'est passé votre première semaine? De la déception du chrono jusqu'aux conditions vraiment difficiles, comment ça s'est passé? La semaine se déroule plutôt bien. Voilà, on est là pour le classement général, voilà, on ne se le cache pas avec Remco, qui est l'unique leader. Donc voilà, pour l'instant, tout s'est passé sans encombre. À titre personnel, j'étais un peu déçu du contre-la-montre, mais allez, c'est un prologue, c'est pas ma spécialité non plus. C'est quelque chose de spécial comme effort, c'est moins de 10 minutes, donc c'était pas quelque chose qui me correspondait vraiment. Mais bon, voilà. Je suis quand même cinquième. Après, voilà, on va prendre du plaisir. On a une super équipe, donc on va essayer de remporter ce Giro. Pourquoi pas? Mais voilà, la route est longue encore, donc voilà, jour par jour, et on verra. Parlez-nous d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des opportunités dans l'équipe pour des individualités comme vous? Est-ce que c'est tout pour Remco? Bon, les opportunités, pour l'instant, pas vraiment, non, c'est vrai. Comme je disais, voilà, c'est Remco l'unique leader là, donc on verra plutôt en deuxième semaine ou en troisième, pourquoi pas, mais pour l'instant, les choses sont claires et voilà, on est tous soudés autour de lui et on verra. Pouvez-vous nous parler comment c'est de travailler avec Remco? Comment c'est d'être son coéquipier? C'est un jeune motivé, tout ça, avec des grandes qualités, voilà, c'est un phénomène, donc c'est super de travailler pour un jeune comme ça et voilà, je suis content d'être là auprès de lui et voilà, on va essayer de réussir et de faire au mieux. Merci Rémi.